Frères et sœurs de l'Église baptiste Adonai, chers amis de partout, allons grand honneur, bon Dieu fait nous. Nous-mêmes qui, les chrétiens, c'est-à-dire les gens sauvés par grâce, pour le permettre, nous, capables de venir devant lui n'importe l'heure, la journée comme la nuit, pour nous tendre des voiles, pour nous parler avec elle et pour nous communier avec elle. Et en situation comme ça, c'est poussé David à écrire un bon psaume, 73 en général. Mais parmi 73 psaumes, il est consacré en bande à glorifier bon Dieu pour toute merveille que bon Dieu fait et ça que bon Dieu fait dans la vie pâle particulièrement. Il y a une parole que nous remis en pile, que nous citons souvent dans le programme, et que nous avons invité à réciter ensemble avec nous-mêmes, à modifier selon la position que vous occupez sous terre la coulière. C'est côté David dit, en psaume 118, verset 24, c'est ici la journée. Et nous-mêmes, nous avons ajouté la soirée, la période que l'Éternel a faite. Nous va livrer nous à la joie, nous va exprimer reconnaissance nous envers lui-même. Nous va prêter attention à parole et nous va renouveler engagement nous pour nous servir avec zèle, sincérité et persévérance. Nous très contents pour nous accueillir à soir un programme de réflexion ça que nous gagnons, de questions et de réponses. Et nous invitons d'ores et déjà à partager le live ici avec des amis, ou parents, collègues de travail, compagnons de prière. Parce qu'à travers la réponse, nous allons proposer à plusieurs questions que vous posez nous. Nous allons gagner des textes bibliques et nous allons donc faire allusion, faire référence à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu ne va jamais retourner à lui-même sans que l'il n'ait pas accompli et fait. Donc, invitez des amis ou parents. Et collègues, tout le monde qui a une relation avec eux-mêmes, pour être capable de suivre le programme ci-là. Et qui sait si ce n'est pas dans le jour ça que bon Dieu va prendre place dans le cœur. On nous baisse la tête pour nous prier. Ô Éternel, bon Dieu, Papa, nous qui sommes dans le ciel là, nous devant vous à soya pour nous dire merci pour ça qu'on fait pour nous. Lorsque nous avons marché dans le monde là, comme des rebelles, comme des gens qui étaient dans l'immoralité, ou t'es relé nous, ou t'es fait de nous-mêmes, petit tout. Et Jean l'apôtre Pierre dit, nous venons tourner coulière, y a un peuple choisi par vous-même, y a une nation sainte, y a un sacerdoce royal, que vous avez mission pour annoncer vertu ou, quel que soit côté nous, sur terre ça. C'est dans le contexte ça, Seigneur, que nous avons un programme de soirée pour nous parler de nous-mêmes, répondre à la question de auditeurs, de téléspectateurs. On va permettre que le temps va passer là, Seigneur, dans la réflexion sur la question si là, capable d'une source de bénédiction pour nous toutes. Et toute gloire va revenir à nous-mêmes. Par Jésus-Christ, petit tout, sauveur nous, qui vient, qui règne, au siècle des siècles. Amen. Passage que nous lisons chaque semaine pour aller répondre à la question si là, il presque tout notre thème de programme, non? C'est 1 Pierre 3, verset 15. Il dit, sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Quand on a un pile chrétien qui a dit, ah, mon cher, moi, c'est fini, je connais, ça va, bon, je vais le faire. Mais non, bon, demandez-nous pour que nous capables, par raison, par explication de l'espérance, nous, on a ajouté le foi, non, de. Pour qui ça, d'observer bon Dieu, c'est là. Donc, chers amis, c'est ça nous qui est comme thème. Et c'est peut-être raison ça que nous répondons à la question. Nous essayons fouiller la Bible, fouiller l'expérience chrétienne, relations humaines, pour nous capables de porter réponse pour. Donc, en nous font ici, là, ce qu'il y a, avant nous passer à la question, pour nous donner un chant spécial qui va présenter par Yon. Dans chanteuse dans l'église baptiste Adonai, une sœur qui est membre chorale, qui aide nous souvent dans le ministère de musique, c'est sœur Surin. À nous donc tendez sœur Surin dans un morceau spécial que le gagne pour nous pour asseoir. Pa jam lage, mem yon ti gras, bien ke pa jam fe volonté, mem yon
avait péché, l'y délivré. Moi, tes pensées, ton vie est bagaille, l'y mettez parmi, si la yo qui précieux y a. Ma paiement est comme en Christ merveilleux. Oh, combien les merveilleux. Comment les fait grand bagaille pour moi. Comment m'ka faire été pour m'palouer non li? Mais ça pas gain charge qui Rolou pour lui, li pa gen chemin qui trop long. C'est seulement l'ouvrir bras, dit ou fatigué. Jésus vini sauver. L'abdé, j'attendais où et la vine rencontrer. La nettoyé péché, même si au thé tout noir, où va gagner la paix, la joie, la vie pour l'éternité. Ma paix est comme en Christ merveilleux. Oh, combien merveilleux, comment l'y fait grand bagaille pour moi. Amour fait captif libre, aveugle ouais, et même boit de yon marché. Comment m'ka faire été pour m'palouer non li? Ma paiement est comme en Christ merveilleux. Oh, comment li merveilleux. Oh.
dis encore une fois un grand merci à Sœur Surin pour la contribution à ce programme aujourd'hui. Et dans la chance, là, la bande, comment tu es capable de rester sans parler au nom de bon Dieu qui manifestait envers moi-même et envers nous tous en général un amour si merveilleux. Bon, c'est une question que nous tous allons poser tête, non? Et nous-mêmes qui avons écouté à Soya, nous-mêmes qui avons Jésus-Christ déjà, et nous-mêmes qui avons gagné lui pour ta courir vivre par Jésus-Christ vivre. Pour que bon Dieu vienne papa, que au même tout, pour qu'elle joigne voix ou à voix l'autre, voix sœur Surin particulièrement, qui a chanté comment amour bon Dieu à l'émerveille. Encore une fois, un grand merci à sœur Surin. Écoutez, on a passé à question nous. Question que nous gagnons pour Soya. Première question. Pasteur Valsin, je me sentis troublé par quelques péchés que je t'ai fait depuis longtemps. Pourtant, tout le temps, pasteur Abdi et Abdi nous répétait, me répétait avec autant que pas de condamnation pour le monde qui est dans Jésus-Christ. Et comme moi, je me sentis troublé en pile, est-ce que ça veut dire que j'ai quelques péchés dans la vie que bon Dieu n'a pas pardonné? Alors, très bonne question. Ou pas qu'il y a un péché que bon Dieu n'a pas pardonné si vous êtes confessé en lui-même, soit accepté Jésus-Christ vraiment comme sauveur. Maintenant, le diable fait un gros travail avec les chrétiens, surtout lorsque nous ne comprenons pas la parole de bon Dieu. Il semer des doutes, instiller des doutes dans le cœur. Alors, il y a deux choses qui sont capables de passer. Il y en a, c'est le diable qui instille des doutes dans le cœur, nous, dans le cœur monde. Deuxième, nos amis, c'est vous-même qui est capable pas finir totalement honnête avec bon Dieu. Et pas ça, pas qu'à répondre. Le diable, il y a tendance à semer le doute dans le cœur, nous, pour faire nous connaître que nous ne pas convertis. Pas oublier que bon Dieu est justifié, non. Parfois, non, Jésus-Christ. Son déclaration, bon Dieu fait, il dit, bon, tout péché qu'on a fait, il a pardonné, il a effacé à partir de sang de Jésus-Christ qui versait pour nous sous bois calvaire là, et surtout à partir de foi ou d'action ça, action salvatrice ça. Et à partir du moment que bon Dieu dit ça, c'est fini. Ou même on doit vivre comme on qui par la foi, abdit tête tout le temps, que moi, son monde qui est sauvé, moi, son monde qui recevoir pardon, moi, son monde qui est justifié. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect à Koulia, est-ce que vous avez qui contraire à la volonté de Dieu que vous couvez. Parce que lorsque bon Dieu finit de déclarer que nous justifiés, Satan fait travail par lui pour la faire nous connaître. Bah, vous, pas tel bagarre, t'es fait. Bah, ça trop grave. Bon Dieu, pas capable de donner. C'est ça, c'est pour qu'il dit arrière de moi, Satan. Maintenant, si vous avez un bagarre dans la vie, pas qui d'abord, vous même entrant avoir une bonne relation avec bon Dieu, c'est de voir qu'il y a pour capable de régler ça avec bon Dieu, même lorsque vous êtes converti déjà, pour régler avec bon Dieu, prier lui. Confesse ses péchés, demande le pardon pour accéder à quoi faire ou bien qu'on pas de jambes présentées devant. Et puis, qu'il y a retourné à la déclaration de justification de Jésus-Christ, quand il déclarait qu'on est juste ou pur, et puis qu'on par la foi, et puis dit rien de moi Satan, lorsque Satan voulait faire douter de salut. Deuxième question, pasteur Valsin, est-ce que nous avons dit que la prière change les bagailles pour chrétiens? Les moins que en pile yo a prié et pour Jéhovah j'en marché. Et nous pas capables, amis, nous pas capables prendre projet chrétien pour qu'on marche comme un prétexte pour nous dire que la prière pas ça que lié. Bon Dieu m'a dit nous pour nous prier, prier sans cesse. Jésus-Christ dit nous si nous prier, si nous frapper. Eh bien même juge méchante étant donc veuve qui te frappe en pile, a plus forte raison papa dans le ciel là. Il va coûter non. L'apôtre Jacques dit non, dans Jacques 5, verset 16, prière fervente, c'est-à-dire prière d'intensité, prière de persévérance, de monde qui est juste, qui est monde qui est juste, nous sommes dit ça tout à l'heure, monde que bon Dieu déclare juste par la foi, mais prière c'est là, il y a en pile puissance, en pile efficacité. Mais maintenant, il y a des obstacles à la prière. Nous avons prié en pile, puis nous manquons la foi. Nous avons prié en pile, nous avons gagné en vie, nous n'avons pas confessé, nous avons prié en pile. Et puis ne pas pardonner. Tout le bagage, c'est des obstacles qui font que prier nous pas exaucer immédiatement. Mais il faut nous oublier tout pour violer la souveraineté de Dieu. Ça veut dire? Il dit que nous avons demandé bon Dieu, bon Dieu, que nous avons plus bon pour pendant un temps donné. Et il y a un plus gros exemple que nous avons de ça, c'est concernant Paul qui priait trois fois. J'en ai expliqué ça dans 2 Corinthiens chapitre 12. Pour bon Dieu retirer un problème pour lui. Bon Dieu, pas retirer, bon Dieu seulement dit, selon 2 Corinthiens 12, 9, ma grâce te suffit. Et grâce là, c'est tellement suffisante pour Paul, que Paul va le dire, dans le verset après, verset 10,
Les faibles, c'est le ça que me faut. Donc, nous avons des chrétiens, on base sur des critères, enfin, l'argent, santé, et on a dit affaire, on pas marcher. Pourtant, ou même, ils ont communion avec mon Dieu, ou sont force de Dieu, puis ils supporter ça, supporter son base temporaire, en attendant que mon Dieu ait accompli, exaucé prière, et veut. Ou bien, il y a quelques barrières dans la vie qui peuvent régler. Bon Dieu a utilisé tant ce qu'il a pour former, pour permettre que vous ayez plus fort, mais que vous apprenez à pardonner, que vous apprenez à confesser, que vous faites ceci, que vous faites cela. Parce que un bon obstacle à la prière, ce n'est pas seulement 10 paroles avec bouche nous, mais il faut nous assurer nous tout que nous surmonter certains obstacles spirituels qui empêchent une prière exaucée. Troisième question. Pasteur Valsin, dans le dernier étude où fait sous souffrance, c'est comme si m'attendou dit que c'est pas péché qui cause souffrance et que souffrance c'est un programme formation que bon Dieu gagne pour petite Léo. Est-ce qu'on rend ça plus clair pour moi? On m'a très content pour rendre plus clair amis parce que pas ça du tout me dit. Me dit que gagne plusieurs raisons qui fait mon souffrir. Et me pense que raison première que me débaille c'est péché. Et bon Dieu dit ça très clairement dans en Exode 20 verset 5, il dit même son bon Dieu qui punit l'iniquité de papa même sous petit. C'est sa troisième quatrième génération. Il y a des bagages papa nous fait, papa nous tenant drogue, papa nous gaspiller toutes ressources que bon Dieu déballe pour l'éduquer nous payer ça. Parfois nous souffrir en pile, tout bagage là aussi conséquence péché. Et nous pas oublier, il y en a pas ça que m'étais cité, c'est Deutéronome 28 15. Côté bon Dieu, le peuple d'Israël, il y a une liste de malheurs, de captivité, de conséquences graves qui va frapper s'il est péché. Donc, il n'y a pas à sortir de là. La souffrance, qui y a une cause de la souffrance, c'est le péché. Mais ça me dit, mes amis, ce n'est pas ce péché seulement qui cause souffrance. Donc, pile l'autre raison, et il y a une raison, je vous dis là, c'est que bon Dieu a besoin de former nous pour l'autre bagaille. Mais ça me dit, mais insister sur lui surtout. C'est que nous n'avons pas le droit nous-mêmes comme humains, comme chrétiens, comme nous avons gardé les frères sur nous, pour nous couler le doigt sur eux, pour nous dire parce qu'il y a un péché qui fait souffrir. Ça ne nous pas connaître. Nous songez, nous avons fait référence à ce passage-là, que nous venons dans Jean 9, 1, 2, 3. Côté Jésus-Christ a passé, il y a un monde qui est né aveugle, et a porté au courant, il demande à Jésus-Christ, est-ce que ce n'est pas péché avec ça, ou bien péché parole qui fait l'inné aveugle. Faut nous veiller nous pour nous va tomber dans l'extrême ça. Chaque monde nous a péché cap souffrir dans la rue, la plonger doit être sous lui, c'est parce que le péché et ou même qui camper là avec moi-même, c'est miséricorde bon Dieu qui fait nous là. Donc c'est à cause de péché que bon Dieu t'a fait tout le monde sur la terre souffrir, nous tous t'a souffrir comme chrétien parce que Jean-Paul dit pas gagnon monde qui juste, pas même un seul. On nous suspend juger frère nous cap souffrir. Verset que me débaille que me d'arme insister sous lui à ce à tout. Et Proverbe 21, verset 13, qui dit, l'or des amis, l'or des frères ou sœurs qui criaient, au lieu de répondre, nous avons cherché à critiquer, essayer de comprendre, est-ce que c'est souffrance, est-ce que c'est péché qui cause souffrance, les leurs pas arrivés pour crier, parce qu'on vient pour crier sous terre là, un jour ou l'autre, ou pas besoin de monde, venez dehors. Donc, on ne va pas juger, mes bien-aimés, on nous gagne de préférence des cœurs qui sont bien disposés pour que nous allions au secours de frères ou de sœurs qui, dans la souffrance. Question quatrième. Pasteur, Paul dit que depuis un chrétien prend la scène mal, l'a vu une film. Bah, c'est comme ça Paul dit, en tout cas, nous avons des questions. Moi, je ne suis pas chrétien, même qu'on a pile chrétien qui n'a mauvais vie, moi, je prends la scène et je ne suis pas un film. Au contraire, il semble que tout le monde marche plus bien pour eux, depuis qu'on a un péché à même. Est-ce que vérité, est-ce qu'il y a une vérité dans la parole de Paul ça? Alors, amis, je vous présente, alors, dit que Paul dit, depuis que chrétien prend la scène, mal, la vie est infime. C'est pas ça Paul dit. Paul dit c'est peut-être ça qui fait gagner un pile de monde qui est infime parmi nous-mêmes. 1 Corinthiens 11, 30. Il va dire tout le monde a vu une infime. Parce que ni Paul ni moi-même, par contre, comment bon Dieu a agi envers des gens qui sont pas sincères dans la scène ou bien qui sont pas sincères dans la vie chrétienne. Maintenant, partie question qui est intéressante pour moi-même et qui probablement intéresse surtout, c'est lorsqu'on vous dit ou pas infime. Zami, moi, un film, dans l'alpha, je veux dire seulement un film physique. Il y a des gens qui ont trompé, qui ont dit qu'ils marché bien pour eux, pourtant ils ont un film. Ils ont des douleurs, je dis douleurs pas physiques, non, des souffrances. Ils ont des problèmes très sérieux dans la vie, yo, qui conséquence de désobéissance à bon Dieu, conséquence yo, de façon de traiter la scène, le repas du Seigneur et n'importe quel bagage qui concernait affaire bon Dieu. Donc, amis, pas qu'on regarde mon sous-apparence.
pour Dieu faire marcher. Il y a des gens qui mangent chaque jour, mais le cœur n'est pas en paix. Ils ne mangent pas qu'à dormir. Ils ne mangent pas qu'à manger. Ils achètent manger. Ils viennent avec la caille, ils ne pas qu'à manger parce que ce sont des infirmes. Il y a des infirmes spirituels, il y a des infirmes physiques, il y a des infirmes émotionnels, des infirmes intellectuels. Bon Dieu, si bon Dieu veut frapper au monde, il y a tant de domaines qu'il est capable d'utiliser pour le frapper, que moi-même, puis pasteur, il m'a conseillé de faire ça tout. Pas qu'il il garde au monde dans la rue pour dire faire le bon et pour penser que après il fait péché contre lui-même parce que bah il va marcher. Il y a bon Dieu frappe au monde, il mange le monde sérieusement et mon n'a pas parlé fort ou pas connaît ça l'a passé. C'est question simple. Parce que c'est Jésus-Christ même qui dit il y a pile mauvais grain dans l'église. Si me décide pour me servir bon Dieu la caille me suivre programme radio, programme télévision, suivre programme pour la tout pasteur. Au lieu mal chita dans mi-temps ivre ça yo. Mon cœur Jean-David Réléon dans son bruit, mais qui mal qui gagne dans ça. Bon, bien content on dit ou suivre programme pas, mais programme pas mon frère, si son membre l'église ou un croyant qui baptisé, il pas qu'à remplacer l'église du Seigneur. C'est bon Dieu même qui dit nous dans parole là pour nous pas abandonner assembler nous comme c'est la coutume de quelques monde. Et expérience prouvée vraiment que gen moun gal l'église avant même pasteur a prêché, yo getan édifié, yo getan raffermi par ça que ouais, on moun ki te connecté dans découragement, te connecté moun ça te fini net, on moun connecté malade à la mort, puis ouais moun campé là témoigner. Et puis avant même que yo tande un chant ou bien tande chorale ou bien tande message pasteur là, bon Dieu gen tan touché yo, yo gen tan édifié. Et ça fait ma pour reprendre parole ça encore. Côté bon Dieu dit nous, pas abandonner assemblée nous, Hébreux 10 verset 25. Maintenant, le Jésus-Christ qui était ivre avec blé, il pas autorisé non plus pour quitter l'église du Seigneur. D'ailleurs, pour Dieu, c'est ça qu'il lui fait, pas quitter l'église mais craser tout le monde que vous pensez qui est vrai. Faire ça mon Dieu télé dans histoire d'église un iconoclaste, ça veut dire on chasse aux sorcières, chasse à ça télé mon Dieu adore bien. Jésus-Christ dit c'est pas business, pas nous ça, business c'est venir dans l'église nous, c'est servir lui, c'est utiliser talent que le ban nous et puis prier pour monde que nous pensons d'après nous pas marcher bien ou bien pour monde qui pas marcher bien mais qui en dedans que nous pas connaît, qui est vrai. Pour bon Dieu capable joindre chemin curieux ou bien plus autant l'heure là, quand bon Dieu va séparer ivre avec blé, mais ça n'a pas autorisé personne pour quitter l'église. L'église du Seigneur que bon Dieu utilisait pour tant de bonnes choses, que nous avons même bien temps pour nous mentionner à soi. Sixième et dernière question, pasteur Valsin, moi j'étais dans une high school privée, qui était une high school l'église, côté de marché. Moi j'étais fait un petit ménage avec un petit blanc, et le professeur Bibla, dis-moi que bon Dieu pas d'accord avec relation sérieuse et que si m'ba quitter ça immédiatement, yo quand même mettre dehors l'école. Son bosson était gain, parent courir faire quitter relation avec jeune dame si là, couper tout rapport avec elle et jusqu'à ce que mal à l'université nous va rencontrer encore nous va moi chaque monde fait route pas. Parce que dame même est-ce que mariage en blanc noir, c'est ça que Bible a dit les mariages mixtes que professeur non t'es condamné et que mon Dieu t'a interdit dans l'Ancien Testament. Mon frère, mes chers amis, ma soeur, bah, c'est son fiancée qui pose des questions, mais tout le monde a écouté. Bon Dieu n'a pas de discrimination. Avec le mariage entre un noir et un blanc, il y a l'autre problème pas, tout, comme tout mariage d'ailleurs, mais ça n'a pas entré dans le cadre l'ordre que bon Dieu débat à Israël, que l'apôtre Paul reprend pour l'église, pour ne pas marier avec les étrangers. Bagaille que bon Dieu te dit dans Deutéronome 7 verset 3, il te gagne rapport totalement avec le fait que Israël, c'est un peuple choisi, un peuple que bon Dieu choisit pour une mission spéciale. Bon Dieu te voulait yo pas entretenir relation avec nation idolâtre qui t'a vive tout près. Et c'est lorsque Paul Deutéronome 7 verset 3 dit nous ça très très clairement. Les bon Dieu dit à peuple là pas Moïse dans passage ici là qui est extrêmement important pour comprendre pas contracter relation avec peuple là verset premier bon Dieu dit les bon Dieu faut entrer dans le pays
qu'on gagne pour eux, et que le chasse devant bonne nation, comme les Hétiens, les Girgaziens, les Amoriens, les Cananiens, les Phériziens, les Éviens et les Jébusiens, pas gagne relation avec eux-mêmes, verset 3, pas quitter petite fille ou marier avec petit garçon, yo, ni petite fille pas pour marier avec petit garçon, parce qu'il a détourné, verset 4, il a détourné petit yo de moi-même, et la mené à servir d'autres dieux, et la colère de l'Éternel, il va enflammer contre nous, tout avoir détruit nous. Donc, pas grand rien de race là, excepté que si vous voulez prendre race, mais avec une connotation spirituelle. Donc, bon Dieu connaît que le peuple, c'est le peuple idolâtre qui a éloigné le cœur juif de Dieu. Bon Dieu dit, pas quitter une relation de mariage entre petite pauvre et petite monde si là, parce qu'il a détourné l'attention, nous menons à servir l'autre Dieu, et c'est va une cause de destruction pour le pays. L'apôtre Paul a pour prendre ça dans le contexte spirituel, contexte Nouveau Testament. Il dit dans 2 Corinthiens 6, verset 14, « Pas mettez-nous avec les infidèles, soyons jour étrangers. » Parce que qui rapport qui vient d'après Paul entre justice et iniquité, ou bien qui ça vient de commun entre la lumière et les ténèbres. 2 Corinthiens 6, 14, ou quand il y a ni verset 15, ni verset 16 là, qui rapport qui vient entre le temple de Dieu et les idoles. Donc les Bibles, Ancien Testament ou bien Nouveau Testament, à parler de mariage mixte, et surtout dans façon bien aimée à poser des questions, Paul n'a pas dit surtout, ou bien bon Dieu t'a pas dit surtout de relation Israël avec les nations païennes qui battent bien bon Dieu. Paul a parlé de relation entre chrétiens avec non-chrétiens dans le domaine qui est aussi sérieux que mariage, va créer des conséquences vraiment graves. C'est un plaisir pour nous de répondre à la question si là pour nous assurer, chers amis. Et nous espérons que nous va voir une question bonne encore, ou bien une question sur ça nous dit là, ou bien on veut une réplique. Quand vous voulez laisser la question sur répondeur à l'église là, 305-758-1001. Ou bien vous voulez nous par email à Adonai Baptiste, je vais regarder sur l'écran là, Adonai Baptiste, at Adonai Baptist Church.com. Pas oublier les amis, c'est pas seulement pour aimer le programme, pour partager le live là, mais nous t'aimons retour que vous invitez les amis pour abonner à la chaîne Adonai Baptist Church. Nous avons 3 programmes par semaine, lundi, mercredi, vendredi. Nous avons besoin de nombre d'abonnés qui peuvent nous accès à l'autre programme. Et si vous aidez nous à jouer abonné ici là, nous avons un programme chaque jour dans la semaine, c'est-à-dire chaque jour ouvrable dans la semaine, de lundi à vendredi soir. Et nous sommes sûrs que ça peut contribuer à bien-être spirituel et probablement temporel autour de plus d'un. Et lorsque vous permettez au monde pour que les abonnés en chaîne concernant Adonai Baptist Church, qui ont des instructions tirées de la parole de Dieu, fondée sur la parole de Dieu, qui a des conseils sur Marielle, conseils sur relations humaines, qui est basé sur l'expérience de plusieurs milliers de savants, eh bien, on va sauver un homme de la mort, on va aider à solidifier certaines familles, et bon Dieu a béni pour ça. Donc, amis, invitons les amis. Les amis, quand vous êtes invités sur la soeur, encouragez-les pour l'abonner à la chaîne, c'est là, et encourager l'autre ami, on peut capable faire ça tout. Ça va contribuer à l'extension du ministère, ça. Et ça va avoir certainement une place, l'autre place dans le royaume, non? Une couronne de la part de Dieu sous Jésus-Christ déjà. Parce que là, pour que, ou pas prêcher comme pasteur Valsin, mais ou contribuer à partager cette parole que bon Dieu confie à pasteur Valsin, contribuer à partager parole ça avec le plus de monde possible. Merci encore une fois à vous tous, chrétiens de Naïn. Préparez-nous demain matin pour nous conduire, frère Célima aurait lu sa dernière demeure. Mais en attendant que nous arrivions là, on a dit à vous-même à Naïn, à vous-même qui avez nous comme amis, pour ne pas oublier que c'est passager nous sous terre ça, et que chaque instant de la vie, comme il dit déjà, c'est un pas vers la mort. Et puisqu'il en est ainsi, nous assurons que chaque jour nous préparons rencontre-nous avec bon Dieu. De telle manière que s'il relève nous aujourd'hui ou bien demain matin, nous sommes sûrs que c'est en présence que nous apparaissons. Une fois, merci pour attention. Nous. Attendons lundi soir pour notre temps de méditation à 9h, mercredi soir pour l'étude biblique à 8h, et vendredi prochain à 9h pour réponse à questions que nous allons joindre. Que bon Dieu, qu'aimez-nous. Allons à l'adoration dimanche matin.
Si pour une raison ou l'autre, on est malade, suivez Adonai Baptist Church, qui a bon service live à partir de 11h30. Alors, tout donc, mes bien-aimés, assurez-nous que la parole de Dieu joue un très grand rôle dans la vie, nous. Parce que toute l'autre bagaille que nous t'ai compté sur eux, ils trahissent nous, la politique, l'éducation, même la science, dans une très large mesure, pas mener nous côté nous t'aimons aller. Mais, donc, quand c'est qui dit seul Jésus demeure. Alors, donc, adorer bon Dieu. On servit bon Dieu avec joie, comme David l'a dit, et n'attendons encore une fois, dimanche matin, à 11h30, si vous parlez l'église, si vous parlez l'entendre pas, dans le culte que nous allons offrir live sur YouTube et Facebook. Dans l'histoire que nous allons jouer dans l'autre programme, lundi prochain, ou bien mercredi, ou bien dans le culte au dimanche matin, nous prions donc que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et à laquelle vous et nous sommes appelés, garde nos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, et maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Au revoir.